Quelques mots écrits à l'annonce de ton départ. Mon Johnny, c'est la nuit à Los Angeles. Je viens de rentrer à la maison par Pacific Highway. Tu sais, celui où tu avais tellement aimé me faire partager ta Lamborghini pour aller déjeuner chez Ivy's tous les deux. Ce déjeuner où tu m'as annoncé avec calme, pudeur et tellement d'élégance cette maladie que tu allais vaincre, comme toujours. Et puis tu es vite passé à autre chose. Et nous avons ri, tellement ri, sans doute pour ne pas pleurer. Et nous avons bu un peu. Sur le chemin du retour, ta conduite, très rock'n'roll, m'avait fait craindre notre expulsion immédiate du pays. Je ne dors pas, comme si j'avais peur de me réveiller et de constater que ce n'était pas un cauchemar. Tout le monde m'appelle pour me faire parler de toi et de notre belle amitié. On me demande une anecdote. Ce mot est si peu approprié. Je n'ai pas très envie de parler. Ou alors, à toi. Rien qu'à toi. Te dire que j'ai jamais oublié et que j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Nos échanges, nos fous rires, tes conseils, nos duos. Tellement de duos, je n'arrive même pas à les compter. Avec à chaque fois ce sourire bienveillant et fraternel. Monique Lemarcy m'avait présenté à toi en 1984, à ta sortie de scène au Zénith. J'oublierai pas tes mots ce jour-là, si forts, si encourageants pour un chanteur débutant. Et puis ton intervention aux Victoires de la Musique. Quelle classe. Ton invitation au Stade de France, qui a tellement modifié le cours des choses pour moi. J'ai tant à te dire, j'aurais tant à te dire. Mais ce message déjà long n'en finirait pas. Je t'ai aimé comme un grand frère. Je pense à tous ces gens, ce public incroyable, à qui tu as donné du bonheur pendant près de 60 ans. Je pense à David, à Laura, à Nathalie, à Sylvie et à tes petits-enfants. Et je pense à Laetitia, si forte. Et si digne à tes côtés. Si digne. Et à Jade et Joy, qui peuvent être très très fiers de leur papa. Je me réveille. C'est donc vrai, mais c'est irréel. Tout laissait à penser que tu étais immortel. C'est con, je sais. Mais j'y ai cru jusqu'à hier soir. Je n'arrive pas à imaginer qu'il n'y aura plus de Johnny. Comme si on avait enlevé la tour Eiffel dans la nuit. Sauf que tu me manqueras plus cruellement que la vieille tour ne le ferait. Tu vas faire le voyage avec Jean d'Ormesson. Vous allez bien vous marrer. Tu n'as pas oublié de vivre, Johnny. Tu as vécu 1000 vies en essayant toujours de nous les faire partager. Et tu nous as aussi fait partager ta mort à nous et à tout le public. D'une manière merveilleuse. Comme des millions de gens, et avec eux, que je t'aime.